à tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, pour notre rubrique C'est Sport, nous parlerons de la course des chiens, donc entraînement technique. Jamie nous en dit plus dans notre rubrique sportive. Et ensuite, pour notre rubrique C'était hier, nous parlerons du 24 septembre. Donc le 24 septembre, c'était le jour d'anniversaire de la prise de possession. C'est devenu un jour de deuil pour les Kanaks. Et enfin, donc aujourd'hui, c'est le jour de la citoyenneté. Nous en parlons dans notre rubrique C'était hier avec notre amie Camille Monnier. Et enfin, pour notre rubrique Job et éducation, nous parlerons du départ des étudiants vers la métropole. Donc à chaque fois, des réunions d'information sont effectuées avant leur départ. On en dit plus dans notre rubrique Job et éducation avec Marie-Hélène pour leur retrouvant notre invité du jour, Martine Noël, médecin à la DAS, qui nous parle du virus Ebola. Martine Noël, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin à la DAS, donc merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on est là aujourd'hui pour parler du virus Ebola. D'ailleurs, tous les médias donc, du monde en parlent. Alors, une question simple, qu'est-ce que le virus Ebola? Le virus Ebola fait partie des virus, donc des microbes, comme il peut en exister d'autres, des bactéries, etc. Là, il s'agit d'un virus qui a été découvert en 1976, donc ça fait déjà pas mal de temps, au cours de deux épidémies qui sont survenues en même temps en Afrique, en République démocratique du Congo, qui s'appelait à l'époque le Zaïre, et au Soudan. Voilà, il y a eu deux épidémies qui ont fait à peu près 600 personnes malades, et... À la suite de ça, il y a eu plusieurs épidémies, mais toujours dans la même zone en Afrique. Hein. Et il y a eu à peu près une vingtaine d'épidémies. Et cette fois-ci, c'est la première fois qu'il y a une épidémie qui concerne des pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors d'où vient-il? Comment la population l'a contracté en fait? Alors en général, au départ, c'est un virus qui se trouve dans le monde animal. Donc les animaux qui sont porteurs du virus. On pense qu'il y a les chauves-souris, on pense qu'il y a les singes aussi et d'autres animaux. Et puis à l'occasion de chasse auprès d'animaux sauvages, quand on chasse les animaux, qu'on est en contact avec leur sang par exemple, qu'on découpe les carcasses ou qu'on mange ces produits animaux et que le sang des animaux est au contact de petites plaies de notre corps, le virus peut rentrer dans le corps humain et se développer. C'est ce qui s'est passé là aussi, enfin dans les précédentes épidémies comme là aussi, au départ pour les personnes qui ont contracté le virus au départ. Ensuite, par contre, ça peut se transmettre d'une personne à une autre personne. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'épidémies, il y a eu plusieurs épidémies, et pourquoi celle-là, justement, est tellement médiatisée? Elle est très médiatisée parce que, d'abord, c'est l'épidémie la plus importante connue à ce jour. Hein. En général, il y a les plus grosses épidémies qui ont eu lieu en Afrique ont touché à peu près 500 personnes maximum. Hein, et aujourd'hui, on compte combien de cas aujourd'hui? Alors, à ce jour, on en est à peu près 5000 cas au total relevé, dont à peu près 50% sont décédés. D'accord. Donc on en est à peu près à 2500 personnes décédées parmi ces 5000 cas. Et donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et en plus, on a l'impression qu'elle est hors de contrôle, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ça, au départ, c'était en Guinée-Conakry, et puis ça s'est étendu dans les pays voisins, voire même un peu plus loin. Et donc le problème, c'est qu'on ne voit pas l'épidémie se tarir. L'épidémie est en train de progresser. Et puis on en parle aussi beaucoup parce que c'est la première fois que ça touche les pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors justement, l'Organisation mondiale de la santé le dit, hein, ce virus est hors de contrôle. Alors comment on se protège de ce virus? Alors, on connaît quand même bien maintenant les différentes modes de transmission du virus, d'une personne à une autre. Alors, d'abord, ne pas s'infecter auprès des animaux sauvages, donc éviter, si on doit aller, par exemple pour les Calédoniens, si on doit aller dans les pays concernés, il ne faut surtout pas être au contact de la viande qu'on appelle la viande de brousse, hein, c'est-à-dire pas de contact avec les animaux sauvages, ni vivants ni morts d'ailleurs, hein, voilà, éviter de manger donc, de la viande de brousse, et puis éviter aussi d'être au contact de personnes malades.
malade. Avoir une très très bonne hygiène, notamment une très bonne hygiène des mains, bien se laver les mains et éviter d'être au contact avec quelqu'un qui soit malade. Alors quels sont les symptômes ? Alors ça commence un petit peu comme beaucoup de maladies infectieuses malheureusement. Il n'y a pas de signe qui soit vraiment typique. Ça ressemble un peu à une grippe, hein, c'est-à-dire on dirait ici une dengue. Hein, en fait, il y a de la fièvre, des frissons, c'est un début brutal avec des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, une grande fatigue. Voilà. Et ensuite, quand le virus se développe, est-ce qu'on le voit physiquement sur Alors, il peut y avoir ensuite les signes qui suivent. Ça peut être effectivement une éruption sur la peau, des boutons sur la peau. Ça peut être aussi des signes digestifs, hein, diarrhée, vomissement, etc. Et puis, secondairement, alors parfois la maladie semble s'améliorer et puis ça repart vers des signes qui sont alors là des signes hémorragiques hein, dont on parle le plus souvent. D'accord. Alors, des signes neurologiques aussi, des personnes qui peuvent tomber dans le coma. Alors combien de temps on va dire dure le virus à peu près avant que la personne, parce que beaucoup de personnes sont décédées justement en Afrique de ce virus-là, combien de temps la personne peut tenir quand elle a le virus ? C'est très variable, ça peut être bénin, hein, ça peut être bénin et les personnes peuvent en guérir, mais les personnes peuvent évoluer. En général, ça évolue quand même assez rapidement sur une semaine. D'accord. Et puis après, les complications arrivent. Alors ça dépend comment les personnes sont prises en charge. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'entre le moment où on est infecté et le moment où on va devenir malade, alors la moyenne c'est 3-4 jours comme la plupart de ces maladies, mais ça peut aller de 2 jours jusqu'à 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut être porteur du virus pendant 3 semaines sans avoir encore fait les signes de maladie. Donc un voyageur peut effectivement contracter ce virus dans ce pays puis repartir dans un autre pays. Alors comment cette maladie se soigne ? Je suppose qu'il y a déjà eu des expériences, des vaccins trouvés ou en train de chercher ? Alors il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a aucun médicament pour guérir de cette maladie et aucun vaccin pour empêcher de l'attraper qui soit homologué, qui soit sur le marché de façon officielle. Vu l'urgence internationale qui est représentée par cette maladie, il y a des choses qui ont été essayées, mais c'est hors protocole, je veux dire. Particulièrement, vous avez dû entendre parler de deux soignants américains qui sont allés au Liberia pour aider à soigner cette maladie, à prendre en charge les malades, qui ont attrapé ce virus et qui ont été soignés par un sérum expérimental qui contenait des anticorps contre le virus. Ces deux personnes ont guéri, mais on ne sait pas si c'est du fait du médicament ou du fait de l'évolution naturelle de la maladie, puisque le pourcentage de personnes qui décèdent quand elles sont malades, c'est 50% à peu près dans cette épidémie actuellement. Donc on ne peut pas jurer que c'est ce traitement qui a pu les sauver. Mais en fait, il faut savoir qu'il existe différents médicaments expérimentaux à l'heure actuelle, mais en très petite quantité, et qui ne sont pas du tout homologués. Donc l'Organisation mondiale de la santé est en train de réunir des experts à l'heure actuelle pour essayer d'examiner le cas de 2 vaccins et de 8 médicaments différents qui pourraient être testés chez l'animal et ensuite chez l'homme pour essayer de... Ils essayent d'accélérer, si vous voulez, les choses pour essayer de traiter un maximum de personnes. Est-ce qu'on sait si ce sont des médicaments à base de quel produit Alors, donc, je vous ai parlé de ce sérum à base d'anticorps, mais il y a aussi des comprimés antiviraux. Vous savez que depuis l'épidémie de sida, les laboratoires ont multiplié les expériences contre les virus. Parce qu'avant l'épidémie de sida, on ne disposait que de 2 médicaments contre la grippe, hein, c'est tout. Donc là, la recherche a fait beaucoup de progrès, malheureusement, à cause du virus du sida. Et donc, il y a des médicaments antiviraux qui vont être testés, qui existent et qui vont être testés contre le virus Ebola. D'accord. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. Comment la Calédonie, justement, se protège de ce virus ? Voilà, tout à fait. Donc, c'est légitime que les Calédoniens se posent la question. On commence déjà depuis le mois de mars que cette épidémie est survenue, on effectue une surveillance quotidienne de ce qui se passe à l'international. Donc, on suit l'évolution de très, très près. Ensuite, on a essayé d'évaluer le risque pour la Calédonie en recherchant combien de voyageurs on a
chaque année qui vont dans ces pays concernés. Il semblerait qu'il y ait une dizaine de personnes par an qui reviennent de ces pays, donc c'est très peu. Donc même pour l'Europe, le risque est de toute façon estimé à très faible, puisqu'il faudrait, pour s'infecter là-bas, être vraiment au contact des malades ou assister à des opérations funéraires. Enfin bref, il faudrait être au contact des sécrétions d'une personne malade, le sang et toute autre sécrétion, mais de façon très rapprochée. Donc, mais la surveillance est quand même de mise. Voilà, la surveillance est de mise, donc on surveille. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que les compagnies aériennes ont toutes reçu dans le monde des protocoles de prise en charge au cas où il y a une personne malade dans l'avion. Hein, il y a une régulation qui se fait avec les centres 15. Et puis, elles ont à bord des matériels de protection qui permet de limiter l'extension. De toute façon, à l'heure actuelle, ça n'est pas considéré comme transmissible par voie aérienne. D'accord. Ensuite, nous, à l'arrivée, quand on regarde tous les jours les fiches que remplissent les passagers, vous savez, les fiches de débarquement, et si une personne revenait d'un de ces pays, on la contacterait immédiatement et on la surveillerait. Et puis, on est en train de préparer un protocole et un plan de prise en charge avec le CHT et le centre 15 de façon à prendre en charge de façon correcte un cas éventuel. D'accord. Alors l'Institut Pasteur également est en train de développer un test de façon à faire le diagnostic très rapidement en Nouvelle-Calédonie. Parce que quand les pays ne sont pas équipés de ces tests, il faut les envoyer. Et ça prend plus d'une semaine en général. Donc là, on est en train de tout mettre en œuvre pour que les choses soient circonscrites très rapidement. Voilà ce qui est fait localement. Est-ce que vous avez un message à passer justement à la population calédonienne qui nous regarde aujourd'hui, qui s'inquiète justement de savoir ce que c'est que ce virus ? Alors non, je pense que quand on est malade, c'est important d'aller voir un médecin très rapidement et de lui signaler si on a voyagé, de dire au médecin, puisque les médecins ont été informés également, donc de dire aux médecins où est-ce qu'ils ont pu voyager récemment, ou en tout cas dans les 3 dernières semaines. Et puis, si les personnes savent qu'elles vont devoir partir dans un des pays concernés, qu'elles peuvent nous téléphoner, ou alors se connecter au site du ministère des Affaires étrangères français. Là, il y a des conseils par pays pour les voyageurs. Donc ça, c'est très important de s'informer avant de partir. Oui. Alors, un petit conseil justement aux voyageurs ? Se protéger. Alors, surtout éviter d'être au contact des personnes malades, bien se laver les mains, éviter d'aller en brousse, bien sûr, et éviter de consommer de la viande d'animaux sauvages. Voilà. Donc, Martine Noël, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina, donc nous t'accueillons pour cette nouvelle semaine. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui ? Salut Élise et bonjour à vous à la maison. Eh bien, comme d'hab, quoi, un petit agenda avec plein d'infos, comme d'habitude. On commence tout de suite d'ailleurs avec le salon multilingue du livre Jeunesse, donc qui se tiendra à Bluguefan en Bretagne le 23 novembre 2014. Oui, je sais, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi elle nous parle de ça, elle ? Eh bien, parce que la Nouvelle-Calédonie, elle est invitée, c'est l'invité d'honneur de ce fameux salon. Donc, à cette occasion, et comme tous les ans, il sera proposé aux jeunes publics scolarisés de créer en bilingue sur des thèmes qui seront donnés. Et cette année, le thème, donc, c'est le conte de chez soi pour le 21e siècle. Mmh. Rien que ça. Donc, les textes saisis devront porter le nom et la classe et l'établissement aussi de la classe qui participe. Et transmis par courriel à l'adresse donc qui s'affiche accueil@maisondulivre.nc. C'est ouvert à tous les niveaux, donc primaire, collège ou lycée, tout le monde peut participer. L'objectif, c'est de produire et de retenir un texte qui contiendrait 300 mots maximum, en relation bien sûr avec le thème que j'ai cité au début, le conte de chez soi pour le 21e siècle. Oui, voilà. Et puis, il devra être fait en bilingue, donc français, breton, langue kanak, à vous de choisir. D'accord. Alors, on part tout de suite du côté de Koumac, maintenant avec plusieurs choses à noter. Quelques petits rendez-vous. Tout à fait, Élise. On commence avec le club Body Gym qui propose des stages de dance country. Pour ceux qui sont intéressés, le contact, le 42 76 04. Les cours sont donnés donc chaque mercredi de 18h à 19h30. Et vous pouvez donc venir participer, que vous soyez en couple ou seul d'ailleurs, c'est ouvert à tous, à partir de 14 ans. On continue, on reste toujours à Koumac, Élise, et je vous rappelle
rappelle donc que le samedi 4 octobre, il y aura la soirée donnée par l'Association calédonienne de soutien aux malades du cancer. Donc soirée spéciale année 80, le numéro de téléphone, donc le 81 55 78. La soirée se déroulera de 19h30 à 2h du matin au restaurant Le Western. Et puis ben, le thème, c'est la couleur rose. Ok, ben, de Koumac, on va juste à côté dans la commune de Ouégoua. Tout à fait, on va à Ouégoua où se tiendra ben, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre les journées récréatives organisées par l'association Ken Martaïlé, excusez-moi pour la prononciation. Donc voilà, ça se passera à la tribu de Saint-Pierre, district de Bondé, chez nos amis de Ouégoua. Vous trouverez bien sûr ben, les stands habituels. Brochettes, etc., restauration, animation musicale. Une occasion aussi pour nous peut-être de découvrir Ouégoua. En tout cas, moi, je peux le dire que Ouégoua, en tout cas, c'est une commune magnifique. D'ailleurs, je salue les gens de la tribu de Pimboa. Quant à nous, on continue avec le Monumental Pacific Art. Tout à fait. Vous avez dû les apercevoir si vous vous êtes déjà promené du côté de la promenade Pierre Vernier ces derniers temps. Je parle bien sûr des 13 œuvres monumentales qu'ont pu créer d'ailleurs les artistes d'ici ou du Pacifique. Donc vous ne pouvez pas les rater, de toute façon elles sont vraiment impressionnantes, imposantes. Donc ça a été mis en place dans le cadre de la première édition du, comme tu le disais, Monumental Pacific Art, organisée par l'association Cassiopée. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de les voir, ben, vous inquiétez pas, ils seront là jusqu'au 11 octobre. Ok, ensuite retour dans le Nord, plus précisément pardon, du côté de Koné. Et là, on s'intéresse à l'antenne nord du Greta. Tout à fait. L'antenne nord du Greta qui met en place un dispositif d'accompagnement à la validation des acquis et de l'expérience. Et le but, c'est bien sûr ben, de transformer l'expérience qu'on peut avoir en diplôme. Donc, que ce soit BEP, CAP, BAC, même BTS, tu vois. Donc, ceux qui sont intéressés, qui voudraient avoir plus d'infos, il y a une réunion qui est mise en place ce jeudi 25 septembre à 11h30 au Greta. Donc le Greta se situe dans les locaux du collège de Koné. Il y a un numéro de téléphone, donc le 47 74 16 pour ceux qui souhaitent. Il y a aussi une adresse mail, donc yolene.cabar@greta.nc. Sachez qu'il faut au préalable retirer un imprimé d'inscription que vous devrez retourner le jour de la réunion. Voilà. D'accord, et voilà, l'appel est lancé. On termine cet agenda avec des avis de coupures de courant pour demain. Alors, pour demain, les coupures de courant concerneront d'abord la commune de Thiot, les tribus de Port-Bouquet et de Borindi. Donc, demain, mardi 23 septembre, de 9h à 14h. Et puis, l'autre coupure, eh bien, concerne là la commune de Yaté, la région de Mont-Gouemba. Toujours demain, donc, de 8h à 16h. Bon, on sait que l'objectif de ces interruptions de courant, bah, c'est l'entretien du réseau haute tension. Voilà, Élise. Bon, et bien, merci pour toutes ces informations. On te retrouve demain encore hein, pour l'agenda. Et oui, à demain encore pour un nouvel agenda. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique, c'est sport. Bonjour Jamie, donc dans ces sports aujourd'hui on parle compétition canine, donc des concours se sont déroulés ce week-end et vont se poursuivre le week-end prochain, donc on va découvrir ce que c'est qu'une compétition canine. Voilà, bonjour Élisée, bonjour à tous, du sport, nos compagnons à quatre pattes ont eux aussi besoin d'en profiter et qu'on se le dise, le saut en longueur, le saut de haie et le saut d'obstacle n'est pas uniquement réservé qu'aux champions olympiques, les chiens aussi peuvent et surtout savent le faire. Voilà, de véritables athlètes à quatre pattes qui s'entraînent régulièrement le mercredi, une fois par semaine, pour 45 minutes environ d'entraînement avec leur maître et le coach. Donc voilà, la plupart des athlètes à quatre pattes, ce sont des races pures. On trouve des bergers allemands, des bergers belges. D'ailleurs, j'ai su que des bergers belges existaient, voilà, que ça existait, des bergers belges. Ou encore des Rottweilers. Mais on peut également trouver des petits chihuahuas et bien d'autres encore. Vraiment, l'objectif de ces entraînements, c'est de proposer un terrain de jeu où toutes les qualités du chien pourront être valorisées. D'accord, donc ça c'est la partie entraînement, hein, donc voilà. Ils s'entraînent pour préparer les compétitions et les concours organisés par les clubs de Bouraï, Mondor Païta et les deux clubs de Dimbert. Voilà, les cinq clubs qui existent ici au pays. Donc ce week-end, le club du Mondor a organisé deux concours, un concours de ring et un concours d'obéissance. C'est la seule manifestation de ce type sur le territoire et cela fait maintenant une dizaine d'années
que la crème des athlètes canins s'affronte sur ces deux types de concours. Donc l'obéissance, comme son nom l'indique, c'est un concours d'obéissance où le chien doit obéir à son maître en ramenant des objets et faire différentes étapes d'obéissance. Mais le ring, surtout, c'est cette épreuve que j'aimerais qu'on s'approche un peu plus. C'est une épreuve physique, sportive, qui combine exercice de saut et de défense. Donc les exercices sont divisés en trois catégories. Les exercices de bras, comme le rapport d'objets lancés, les exercices de saut, comme je disais tout à l'heure, les sauts de haie et le saut en longueur, et enfin les exercices de mordant. Alors les exercices du mordant, hein, c'est l'aspect spectaculaire de la compétition. Voilà, tellement donc avec spectaculaire une attaque mordante de face du bâton. Donc voilà, en effet, avec le chien qui charge l'homme d'attaque tout dans la maîtrise, sous les consignes de son maître, il doit lier vitesse, exécution et concentration, ne pas se laisser emporter par la provocation émise donc par l'homme d'attaque et surtout rester attentif aux consignes de son maître. Je vous propose tout de suite d'assister à l'un des entraînements donc des licenciés du club de Dimbéa, de rentrer dans l'univers du monde sportif où les barrières entre humains et animaux n'existent plus, où le meilleur ami de l'homme devient bien plus qu'un animal de compagnie. Nous nous trouvons sur le site du club de sport canin de Dimbéa, route de Nakutakwin. Donc ici, le mercredi et le samedi, donc, nous avons les entraînements du club. On fait des entraînements d'obéissance, d'éducation et de ring. Le ring, pour nous, c'est le mordant. Alors, il faut savoir, le ring, le mordant, enfin nous ce qu'on appelle le mordant sportif, c'est d'entraîner les chiens à aller mordre un homme en costume, mais ça reste un jeu. Voilà, c'est toujours un jeu, il n'y a aucune agressivité du chien, il revient sur ordre, et voilà, les chiens sont très très équilibrés parce qu'il n'y a aucune agressivité, et la preuve, c'est que bon, après les exercices, il vient jouer avec l'homme en costume, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Bah, il faut qu'il y ait une complicité, une compréhension entre les deux, qui est bien sûr le même objectif, que la méthode soit adaptée non seulement au chien, à l'entraîneur et bien sûr au propriétaire du chien, pour que l'équipe cynophile puisse travailler dans les meilleures conditions. Avancez, avancez, avancez encore, allez maintenant. Non, allez on recommence, allez au pied, allez recommencez. Il faut que vous donniez l'ordre dès que vous vous mettez à courir, hein, pas après. Hein. Donc le rôle d'un entraîneur, c'est de pouvoir guider des membres du club dans l'éducation et le dressage de leur chien en fonction des objectifs qu'ils se sont fixés avec leur chien. Par rapport au planning que l'on s'est donné sur un entraînement, par exemple, si on a prévu de travailler les sauts, donc on va d'abord échauffer nos chiens, parce qu'il va falloir on va utiliser sa masse musculaire pour les sauts. Donc si le chien est à froid, comme un athlète qui va faire un saut en longueur ou un 100 mètres, il faut préparer le chien musculairement pour qu'il soit vraiment prêt à être opérationnel. Et ensuite, il y a les mises en place, il y a la manière d'aborder l'obstacle. Bien sûr, on ne va pas lui demander à un chien, par exemple là aujourd'hui, on a un nouveau chien de 4 mois qui vient d'arriver, on ne va pas lui demander de sauter une longueur de 4 mètres 50. Donc déjà, par exemple, nous sommes plus spécialisés un petit peu dans les bergers allemands, c'est notre race un peu fétiche. Par exemple, ce sont des chiens qu'on ne va pas faire sauter avant un an. Donc c'est ce qui retarde un peu le fait de pouvoir progresser un peu plus vite. Ensuite, il y a le point de vue du maître. Comment il voit le son relationnel avec le chien, son point de vue sur le dressage, pour que tout soit en harmonie, pour pouvoir avancer correctement. C'est vous qui mettez le doute à votre chienne, là. Allez, maintenant. Allez, la grosse, saute. OK. Avancez là d'un mètre. Je mets mon pied.
Parce qu'elle piétine là sur la fin, c'est qu'elle est sur ses mauvais appuis. Donnez, madame Roy. Attrapez votre chienne. T'as sur le lot, hein? Oui, voilà, ça c'est bien. Hein. Allez, la grosse! Allez, 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 allez! Ouais, voilà, ça c'est bien. Mais elle a piétiné encore. Hein. Ouais, mais moins. Voilà, ça c'est bien. Donc il y a des exercices, déjà il y a des sauts, il y a trois sauts. On a le saut de la longueur qui peut aller de 3 mètres jusqu'à 4,50 mètres de la longueur, sans que le chien ne touche bien sûr l'obstacle. Nous avons l'AE qui est également un exercice de saut où le chien doit sauter une haie qui peut aller de 90 cm à 1,20 m de haut. Et l'ordre de fixation, tu le donnes pas? Tu vois, ce sont tous ces petits gestes qui mettent le doute après dans ton chien. Donc il faut que tu fasses attention à tout ça. Pas de chien. Voilà. Vas-y. Colt saute, pas bouger. Vas-y. Colt saute. Oui, voilà, ça c'est bien Lolo, très très bien. Et nous avons la palissade qui peut aller jusqu'à une hauteur de 2,30 m. Fly set. Pas bouger. Fly set. Là, il a 4 ans. Donc depuis l'âge de 3 mois. Vas-y au pied. Ah si. Oui, ça c'est bien, moi, très très bien. Et autant jouer. Et autant jouer. Ouais, voilà, ça c'est bien. Va chercher là. Mais non. C'est une des épreuves que l'on commence à avoir en ring 2. Si tu veux, la discipline du ring, tu commences par un brevet de chien de défense, où là il n'y a pas encore de saut. Après, il y a ring 1, ring 2, ring 3, au niveau territorial. Hein. Donc la palissade, c'est un obstacle qu'on commence à avoir en ring 2, obligatoirement. Parce qu'en ring 1, on peut choisir l'obstacle que l'on veut en fonction des trois obstacles qui sont proposés. Et la palissade en ring 3 peut aller jusqu'à une hauteur de 2,30 m. Donc il faut que le chien fasse aller-retour sur une hauteur de 2,30 m. On est à l'entraînement, tu as le droit de lui parler. Tu dis à peu près ici, là, au pied, au pied, au pied, au pied, au pied. D'accord. Okay. Par contre, je ne me baisse pas. Tu ne baisses pas, tu ne bouges pas. Le maître ne bouge jamais, c'est le chien qui vient au maître. Ok. Donc, je peux l'appeler par son prénom et je lui dis de venir. Voilà, tu dis Indy au pied. Et puis quand elle arrive là, au pied, au pied, au pied, si tu vois qu'elle traîne un peu, tu la prends délicatement et tu la remets en position de base. Discipline d'obéissance, uniquement des ordres d'obéissance. Donc le rappel au pied, la suite marcher au pied avec le chien, le faire sauter une petite haie. Également là, nous allons faire un exercice pour ce qu'on appelle le rapport d'objet. Au pied. Voilà, c'est bien. Allez, on fait la fête. Ça, c'est une chienne qui a ses papiers. Donc on avait déjà commencé par lui faire faire un petit peu de mordant et puis maintenant on lui fait faire un petit peu d'obéissance. Pour un chien de cette taille, qui est un chien de la deuxième catégorie, il vaut mieux qu'il soit très obéissant. Quand on le rappelle, le chien vient, on n'a pas besoin de courir après le chien, c'est le chien qui vient directement auprès de son maître. Et puis bon, ça a beaucoup d'avantages, hein. On a au moins plaisir d'avoir un animal en qui vous pouvez avoir une relative confiance. Alors les conditions d'inscription, c'est d'avoir un chien qui soit de race ou pas, pour faire de l'obéissance par exemple. Bien sûr, faut qu'il soit tatoué, vacciné, voilà, en bonne santé. Et par contre, pour la discipline du ring, là on demande des chiens avec papier. Ben, quand ils ont leur papier, c'est des chiens qui ont un pédigré, c'est-à-dire qu'on connaît la généalogie des parents, du papa et de la maman. C'est ce qui caractérise, où l'on peut dire que c'est un chien de race. C'est-à-dire que c'est un document sur lequel est inscrit son nom, le nom de ses parents, de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents, ce qui certifie pour l'acheteur ou le propriétaire d'avoir un chien de pure race, puisqu'on ne peut pas appeler un chien pure race s'il n'a pas de pédigré. Mais un chien sans papier peut parfaitement intégrer le club pour faire de l'obéissance, et nous encourageons tous les propriétaires de chiens à venir dans un club canin pour l'éducation de leur chien et voir l'éducation du maître également. C'est
impressionnant. J'ai jamais vu, on va dire, cette face donc, concernant les, les chiens. Hein, parce que moi, les chiens à la maison, bon, Général, quand ils font pas de course, voilà, quand on les voit tranquilles. Là, on les voit surveiller courir, la maison, mais on les voit courir cette fois-ci. Sauter les haies, sauter, faire du saut aux longueurs, c'est assez impressionnant. Mais surtout, voir la façon dont ils, réagissent, dont ils sont attentifs. Tu sais, durant le reportage, je voulais quand même te le raconter, faire partager aux téléspectateurs. J'avais l'impression de filmer un footballeur en train de s'entraîner ou un athlète en saut en longueur ou en saut en hauteur. À mesure où le chien, lorsqu'il exécutait la consigne de sauter par-dessus l'obstacle, à un moment donné, il est lors de la retombée, il s'est retrouvé face à la caméra. Je veux dire, là, tu vois, il aurait pu être distrait par la caméra. Et non, là, dans la caméra, je voyais bien que au moment où il s'est retourné pour effectuer encore un nouveau saut, il s'est retrouvé face à la caméra, mais tu voyais dans le regard toute sa la concentration, était concentrée à ce que son maître disait. Donc du coup, il était là, il se retrouvait à la caméra, même pas distrait, il a ressauté. Et puis je disais à son entraîneur, mais j'avais l'impression de filmer un footballeur qui est concentré, qui est là, concentré sur son crochet, sur sa passe. Et voilà, il oublie qu'autour, il y a une caméra. Oui, voilà, c'est vraiment là, j'avais vraiment affaire à des véritables athlètes à quatre pattes. Et moi, ce qui m'a impressionné, hein, c'est quand le berger allemand mord le mordant. Voilà. Je crois que c'est un exercice, heureusement qu'il s'est protégé hein, quand il a attaqué. C'est clair, bien qu'il soit protégé, il arrive tout de même à avoir des bleus aux pieds et aux bras. C'est ce que me disait Miguel, qui m'avait demandé, après le reportage, d'enfiler le costume de l'homme d'attaque. J'ai dit, écoute, je reviendrai peut-être 15 jours après. Je vais plus réfléchir à cela. Mais bon, voilà, malgré les protections, il arrivait tout de même à avoir des bleus. Mais c'est quelqu'un qui est passionné, qui est dans le milieu. Ça fait déjà maintenant plus de 20 ans. Donc, il a réussi à amadouer certaines douleurs. Voilà. Donc, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, cet exercice, je parle bien sûr du mordant, peut amener certaines personnes à dire que les entraîneurs entraînent leur chien à devenir méchant. Or, dans cette pratique qui reste tout de même un moment magique entre le chien et l'homme d'attaque, c'est qu'en étant agressif, le chien reste toujours, je dirais, un joueur. Et pour nous le montrer qu'il est en train de s'amuser, c'est toujours le petit signe de la queue. Qui bouge. Voilà, qui est toujours en train de bouger, qui montre qu'il est heureux. Donc voilà, il n'y a aucune agressivité, aucune méchanceté, juste un jeu, juste un sport qui demande beaucoup de rigueur auditive et d'exécution de la part du chien. D'accord. Alors juste pour rappeler les échelons qui classifient les chiens lors d'un concours, il y en a trois. En effet, trois rings élisent le ring 1, 2 et 3. Ici, le chien le plus haut gradé du troisième ring, du ring 3, c'est un berger belge. C'est un berger belge, pardon, qui lors de l'exercice du mordant arrive à éviter au coup du sifflet de son maître, c'est-à-dire presque arriver à 1 mètre de son objectif, qui est l'homme d'attaque. Donc, qui arrive à l'éviter au dernier moment. En gros, c'est le chien qui effectue sa course sous l'ordre de son maître. Et une fois qu'il arrive à 1 mètre de l'homme d'attaque, tu as le maître là qui lâche un deuxième coup de sifflet pour lui dire qu'il ne faut plus l'attaquer. Et là, tu vois, c'est assez spectaculaire parce que tu vois le berger belge qui a réputation d'être un chien très rapide et avec une certaine vitesse d'exécution assez impressionnante comparé au berger allemand. Donc tu le vois partir à pleine vitesse et une fois arrivé à côté de l'homme d'attaque, il évite. D'accord. Sur le coup de sifflet. Et là, il fait. C'est un exercice vraiment qui demande beaucoup, beaucoup d'heures de travail pour que le chien puisse reconnaître le choix, la consigne qui est demandée par son entraîneur. C'est ce qui est magique dans ces compétitions et ces concours. Alors, justement, si j'ai un chien, bien que. Si j'ai un chien, il Comment tu dois faire ? J'ai envie d'intégrer un club. Que dois-je faire ? Alors, pour participer aux différentes épreuves de ring et d'obéissance du pays, le chien, donc ton chien, Élise, doit avoir obtenu son certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. C'est ce qu'on appelle le SAU, le C-S-A-U. Donc, en plus du SAU, le chien doit appartenir à une race habilitée au mordant. Ça, c'est juste pour participer au mordant, c'est-à-dire qu'il doit être soit un berger allemand, soit un berger belge, c'est-à-dire un chien de race pure. Et il doit être inscrit au livre des origines français, le LOF, voilà. Avec un pédigré. Le pédigré, comme on l'a vu dans le reportage, c'est la généalogie du chien. Donc, pour voir si c'est bien un chien de race pure et non pas un chien croisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir des ventes sur Internet, des ventes de chiens un peu partout, où l'on dit que ce sont des chiens de race pure, donc, alors que voilà, ce sont des chiens qui ont un papa. Des fausses publicités, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, faites attention et nécessitez toujours le pédigré pour avoir un chien de race pure, parce qu'un chien de race pure, en ce moment,
ça se vend, c'est, ouais, c'est après assez coûteux pour un berger allemand. En moyenne, il peut coûter 140 000 francs, rien que ça. Donc voilà. Et comme disait le reportage, donc le pédigré, c'est important justement pour connaître ses parents et ses grands-parents. D'accord. Alors c'est vraiment une belle opportunité hein, pour justement l'éducation de nos chiens, enfin, du meilleur ami de l'homme, on va dire ça. Voilà, c'est clair, Alice. C'est vrai que ces structures-là, c'est vraiment l'opportunité pour nos chiens de pouvoir bénéficier d'une bonne éducation parce qu'ils sont encadrés par des coachs, par des personnes qui apportent leur affection et qui sont là pour qu'ils puissent développer toutes leurs qualités sportives, toutes les qualités sportives du chien. C'est vrai que c'est l'autre avantage de placer ce chien dans l'une de ces structures, c'est de lui permettre déjà d'être social. C'est le mot qui ressort lorsque l'on est sur les lieux de l'entraînement, à Dimbert en l'occurrence, pour qu'il n'ait pas peur de l'étranger, les chiens, pour éviter qu'ils soient agressifs. Et puis surtout, écouter son maître, comme on dit, avoir un esprit sain dans un corps sain. Encore une fois, nous avons là la preuve que le sport est un vecteur d'éducation. Bon, ben voilà, on va essayer d'emmener Médor et Bouffi là-bas pour s'entraîner. Ah, oublie pas Boule et Bill. Bill et Boule. Voilà, Bill et Boule. Et Bill. Merci, Jimmy. Merci, les amis. Merci à tous. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Job et éducation. Bonjour Marie-Hélène, donc on va parler d'une association pas comme les autres, l'ACEST. Alors comme tu es la spécialiste justement des sigles, donne-nous la signification. Bonjour Élise et bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je vais te faire plaisir Élise. On va donner tout de suite la signification de ce fameux sigle, donc l'ACEST, ça signifie Association Calédonienne d'Enseignement Scientifique, D'accord. Technique et Économique. Alors figure-toi qu'en plus de ce sigle, il y a un autre acronyme en fait hein, qui s'accole à l'ACEST, c'est le CNAM. D'accord. Tu as déjà entendu parler du CNAM, oui, je suis sûre. Pour la formation des adultes et même, tu en avais parlé, je pense, dans une de tes chroniques. C'est vrai. Alors, le CNAM, on va expliquer le sigle, ça signifie donc le Conservatoire National des Arts et Métiers. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir en fait qu'on se rapproche en général de cette structure-là quand on a envie de suivre une formation continue hein, en métropole ou même ici, hein, dans le secteur tertiaire et le secteur donc de l'industrie. Et tu sais que ce centre, il a été créé par un abbé qui s'appelle l'abbé Grégoire, celui qui est précurseur en fait de la formation pour adultes. Comme quoi. Alors le CNAM, en fait, on connaît le nom de ce centre de formation, mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu ses missions? Oui, avec plaisir, Élise. Alors ce centre d'enseignement, parce que c'est vraiment le cas, il propose en fait de se former tout au long de sa vie. Donc demain, si on a envie de reprendre nos études, on peut le faire, Élise. N'importe quel âge. Eh bien oui, Alors pour les adultes, pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi, voilà, tout le monde est concerné. Et les cours, excuse-moi Élise, je voulais juste rajouter un petit truc. Les cours, en fait, ce sont bien évidemment des cours de l'enseignement supérieur hein, qui se déroulent, si tu veux, lorsqu'on en profite dans le pays où l'on vit, le soir ou bien le week-end. Donc en général, c'est le samedi matin. D'accord. Alors est-ce que les personnes souhaitant justement poursuivre ou reprendre leurs études est concernées par le service de l'ACEST? Eh bien oui, figure-toi. Mais il faut tout d'abord en fait que l'association soit missionnée en fait par une collectivité locale. Par une collectivité, oui, c'est ça, par une collectivité locale. Donc ça peut être l'une des trois provinces, province nord, province sud, province des îles. Ça peut être le gouvernement ou bien l'État. Et donc, son objectif, c'est de favoriser, en fait, la promotion sociale. D'accord. Une fois que l'association est missionnée, si tu veux, elle va proposer une assistance pédagogique, donc aux bénéficiaires, pour qu'ils puissent poursuivre des études supérieures en métropole. Donc, voilà, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça concerne des personnes qui ont envie soit d'accéder à d'autres postes à responsabilité dans la société où ils travaillent, ou sinon des personnes qui veulent acquérir des connaissances supplémentaires, quoi. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors, il faut savoir que les choses, elles se mettent en place tout simplement, en fait. Hein, on est suivi par un conseiller qui travaille donc au sein de l'ACEST. Donc, au départ, elle va donner son avis sur le projet professionnel de la personne. Ensuite, elle va l'accompagner hein, tout au long, si tu veux, de cette préparation, voilà, jusqu'à ce que la personne, elle entre en formation. Mais on va le voir dans le reportage, donc je ne vais pas t'en dire plus. Alors, finalement, l'objectif, hein, c'est d'assurer la réussite. Oui, Élise. Et si tu veux, pour cela, ben, l'ACEST utilise beaucoup d'outils, hein,
et met les moyens pour cela. Donc, il peut s'agir de tests d'entretien, d'évaluation, hein, voilà. Ensuite, ça peut être des remises à niveau collectives, donc ou individuelles, hein, en fonction des lacunes du candidat. Alors, il faut savoir que les cours, ils sont quand même dispensés par des enseignants et des formateurs. Donc, voilà, tout est fait, effectivement, pour bien préparer le stagiaire à ses futures études supérieures. D'accord. Et tu sais qu'il y a même un module, si tu veux, pour préparer les stagiaires à la vie en métropole. Ah, mais c'est bien ça. Au moins, ils sont dans de bonnes conditions quand ils arrivent en métropole. Est-ce qu'il y a justement une réunion d'information juste avant le départ pour les futurs étudiants? Eh bien oui, figure-toi. Juste avant qu'ils ne prennent l'avion, tout le monde se retrouve en fait à la SEST pour un dernier point, pour des encouragements, pour récupérer des derniers documents. Mais je te propose effectivement de découvrir tout de suite ce qui s'est passé durant cette réunion. Hein. Mara s'est rendue à la SEST pour nous. On va donc découvrir son reportage. Donc je vais me présenter, moi c'est Henri-Paul Bourlon, responsable du suivi des étudiants boursiers de la province Nord, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou hors Nouvelle-Calédonie, parce qu'on peut en avoir un peu partout, hein. On peut en avoir en Nouvelle-Zélande, en Australie. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à vous. Vous êtes plus d'une trentaine à partir en métropole avec la bourse. Donc, on a souhaité aujourd'hui vous faire un petit speech et puis même discuter avec vous et puis répondre à certaines interrogations. Que n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des besoins, s'il y a des angoisses, des choses, parce que sachant que quand on part pour la première fois, on ne s'attend pas à des choses peuvent y arriver, qu'on peut aussi y rencontrer, hein, surtout dans un endroit où c'est inconnu. En tout cas, au nom de la province Nord, au nom du président, je tiens simplement à vous encourager. Bon courage, bon vent et bonne étude pour tout le monde. Vous avez un engagement, vous rentrez dans un dispositif qui est la bourse. Vous devez rentrer au pays pour travailler. La province Nord ne vous impose pas de travailler en province Nord parce que nous préparons donc un pays. On vous demande de revenir travailler en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir quand même que la province Nord investit beaucoup et vous accorde toute sa confiance pour votre parcours de formation. Et donc, pour un retour de confiance, hein, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est travailler et réussir. Et rendre la confiance qu'on vous accorde à la fois à la province, mais aussi à vos parents. Parce que c'est bien quelques-uns qui sont là aujourd'hui. Hein. Et sachez que ce n'est pas facile de vous laisser partir comme ça à 22 000 km. Donc, pensez aussi de temps en temps à leur passer un petit coup de fil, leur donner des nouvelles. Ou en tout cas, on sera là, nous, pour faire le relais avec vos parents. Et donc, à la fois, on va... vous préparez un peu au départ, hein, vous avez fait les modules de vie quotidienne, en tout cas pour ceux qui l'ont suivi. Et puis on va passer le relais, hein, pour certains d'entre vous à notre équipe qui est basée à Toulouse. Je m'occupe des candidats de différentes provinces qui partent faire leurs études en métropole ou au Québec aussi. J'interviens dans la construction de leurs projets et de leur parcours de formation. Et on intervient également avec mes collègues dans les inscriptions dans les établissements en métropole. Donc, à partir de là, on les accompagne jusqu'à leur départ et qu'ils montent dans l'avion pour entamer leur parcours de formation. Tout se fait d'abord par Internet et après, il y a tout le montage du dossier papier à faire. On met en place des entretiens de motivation avec les établissements s'ils souhaitent des entretiens de motivation avec les candidats avant leur départ. En général, ce sont des étudiants qui ont fait des demandes de bourse auprès de leur province, notamment pour la province Nord, par exemple. Ils ont fait une demande de bourse à la province Nord. La province Nord nous demande de les recevoir en entretien. On essaye un petit peu de comprendre leur projet, de voir si ils souhaitent aller vers le bon parcours de formation par rapport à leur projet professionnel.
on essaye aussi de donner un avis sur ce projet-là et sur la construction du projet à la province Nord pour qu'eux ils puissent décider sur l'attribution des bourses pour les étudiants. Une fois qu'ils ont eu une bourse, on continue le projet avec eux et à ce moment-là, ils rentrent en remise à niveau avec nous. Ils ont une préparation au départ où ils ont différents modules, notamment le module d'expression écrite. Ils ont 24 heures de français. Ils ont un module de communication, 12 heures. Ils ont un module de communication vie quotidienne, 18 heures. Et ils ont un autre module qui est de la méthodologie. Alors, c'est tout ce qui est méthode de travail universitaire ou au lycée. Et là, ils ont 21 heures. Ça, c'est tout ce qui est préparation au départ. Et bien sûr, après, on complète ceci par des cours individuels bien spécifiques par rapport à leur formation. Une fois qu'ils sont partis, après, nous passons le relais à nos collègues en métropole parce qu'il y a également la CEST qui est située à Toulouse. Mais ils ne suivent pas que les étudiants de Toulouse, bien sûr. Hein, on a des correspondants et ils se déplacent dans toute la France et qui permet à ces étudiants d'être suivis pendant leur parcours et notamment en cas de difficulté, puissent avoir un référent pour les aider au niveau moral, mais aussi pédagogique. Bonjour. Entrez, venez. Asseyez-vous. Alors, est-ce que vous avez votre billet d'avion avec votre itinéraire? Oui. On va vérifier que vous ayez bien tout. Alors, en tant que formatrice extérieure, j'interviens dans le cadre du module de vie quotidienne. C'est donc un module qui permet de préparer l'étudiant à la réalité métropolitaine, donc anticiper l'ensemble des formalités à réaliser avant le départ. Ensuite, une fois sur place, de se rendre compte de l'ensemble des démarches qu'ils vont avoir à faire et également au niveau plus pratique de leur situation géographique, des contraintes liées à leur hébergement, aux inscriptions administratives, au suivi également, donc en relation avec la CEST, mais également les contraintes financières puisqu'ils vont devoir apprendre à gérer leur budget. Vous ne serez pas riche hein, avec la bourse de la province Nord, hein. Mais jusqu'à présent, nos étudiants arrivent à s'en sortir. Donc, vous aurez la bourse, mais vous avez une aide aussi en début d'année, hein, qui est importante. Vous allez vous croire riche avec. Faites attention, ne dépensez pas tout, parce qu'après, vous allez vite vous retrouver dans la difficulté. Également un aspect très pratique, puisque dans le cadre de ce module, on va rechercher l'ensemble des informations dans chacune des villes où ils ont demandé une inscription. Donc ça va être le CROUS, donc au niveau des formalités, également voir où est situé leur hébergement, ce qu'il contient, s'il y a une assurance, comment ils font pour la prise de clé, s'il y a ensuite des moyens de transport, les distances, évaluer aussi le climat en fonction de la région où ils seront. Donc finalement, appréhender l'ensemble des contraintes administratives et financières qu'ils vont devoir prendre en charge puisqu'ils n'auront pas leurs parents, mais aussi les informer de tous les relais et de tous les référents qu'ils auront en métropole puisqu'ils ont effectivement la maison de la Nouvelle-Calédonie, mais un suivi aussi qui est obligatoire au niveau de la CEST Toulouse en métropole et également une liaison avec les référents Nouvelle-Calédonie et au niveau de la province Nord et province Sud pour ceux qui relèvent de la province Sud ou des îles. J'essaie de faire un BTSA gestion et maîtrise des eaux à Rennes, à l'Académie de Rennes. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé aucune formation disponible de ce type en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai dû pour cela faire une demande de bourse pour la métropole. Alors, normalement, ils vous prennent en charge dès l'arrivée à Roissy. Hein. Mmh. Donc ils sont là à l'arrivée avec une pancarte, donc vous devrez... vous présenter auprès de ces personnes, vous identifier, et ensuite ce sont eux qui vous emmènent et vous transportent jusqu'au lieu d'hébergement et qui vous informent de la date et de l'heure de la réunion du lendemain où vous sont transmis le reste des documents. J'ai un peu peur, mais d'une part je suis content de partir parce que j'ai envie de voir des choses autrement, vivre autrement au niveau du module. Donc le module m'a permis une approche beaucoup plus concrète, beaucoup plus rapprochée de la vie de la métropole.
J'ai une licence de sciences de la vie, de la terre et de l'environnement que j'ai obtenue à l'université il y a 2 ans, en 2012, en novembre 2012. Et voilà, là, je pars en métropole pour un master, pour poursuivre un master. Je vis dans une tribu et c'est le fait de débarquer dans une grande ville. Et c'est surtout ça que j'appréhende, c'est la vie dans une grande ville comme Paris. Ça m'a un peu rassurée, ça m'a aidé un peu à voir, enfin, visualiser quoi, ce que j'aurai, enfin, ce que je vais vivre, quoi, où est-ce que je vais être, qu'est-ce que je vais, comment est-ce que je vais pouvoir me déplacer, tout ça. Et c'est vrai que Caroline et Célaceste, ils m'ont quand même rassurée en quelque sorte sur ces démarches-là. Voilà, donc les élèves ont dû donc rentrer en métropole, donc partir en métropole. On leur souhaite donc une bonne chance pour vos études. Alors, qui peut bénéficier justement des services de la CEST? Pas mal de personnes, figure-toi Élise. Il y a donc évidemment les stagiaires et les étudiants donc, du programme Cadre Avenir. Mmh. Il y a également les personnes qui bénéficient du dispositif après-bac service. D'accord. Il s'agit essentiellement donc, de la remise à niveau hein, pour ce dispositif-là. Ensuite, il y a également depuis peu les jeunes qui bénéficient du programme Cégep. Et puis, il y a bien évidemment les boursiers du Nord et des Îles, puisqu'on l'a vu dans le reportage, ce sont des étudiants boursiers donc, de la province Nord. Et puis, il y a également les salariés, figure-toi, en cas justement d'une formation, puis supérieure pour acquérir un diplôme et puis peut-être prétendre à un autre poste dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. D'accord. Et puis, il y a également les bénéficiaires, si tu veux, de la bourse territoriale de formation. Ok. Alors justement, lorsqu'on part en formation en métropole, est-ce que la CEST reste notre référent? Parce que je sais qu'on rencontre, on va peut-être rencontrer des difficultés en métropole en tant qu'étudiant. Oui, c'est vrai. Alors figure-toi que l'accompagnement, il se poursuit en métropole, Élise. Heureusement, il y a donc une antenne en fait de la CEST qui se trouve à Toulouse. D'accord. Donc lorsqu'on arrive sur place, en fait, on a donc un conseiller que l'on peut contacter et puis on a aussi un tuteur qui s'occupe de nous. Donc il est en contact régulier avec nous, on peut échanger par mail avec lui. Il y a des rencontres qui sont possibles aussi plusieurs fois dans l'année. Mmh. En cas de souci, il peut bien évidemment aussi rencontrer les responsables de formation. D'accord. Penser aussi à une réorientation ou une poursuite d'études, voilà, selon les situations. Donc tu vois, il y a vraiment un accompagnement personnalisé qui se poursuit en métropole. D'accord. Ben, je trouve que ce suivi est vraiment très, très, très intéressant. Alors justement, en cas de, là tu as dit donc, en cas de problème, hein, comment ça se passe vraiment Que se passe-t-il vraiment? Alors c'est vrai que si tu veux, les problèmes qui peuvent apparaître, hein, c'est peut-être un problème au niveau d'une matière. Donc il y a un soutien, si tu veux, personnalisé qui peut être proposé. On a peut-être besoin aussi d'une aide pour rédiger son mémoire de fin d'études. D'accord. Et là aussi, une aide pour la rédaction peut être proposée. Tu vois, c'est vraiment des petits problèmes en lien avec les études. Hein. Mais bien évidemment, si on a un souci personnel... Hébergement. Oui, tout à fait. Ils sont également là, puisque figure-toi qu'il y a un site internet en fait de la CEST sur lequel il y a justement des offres pour un logement, des offres pour des stages également, et puis des offres aussi pour de la recherche d'emploi en prévision du retour en Calédonie, voilà. D'accord. Pour anticiper tout ça. Donc voilà, et puis tu sais que le tuteur est aussi une oreille attentive si on a besoin de parler. Voilà. Bon, ben voilà, je trouve que ce suivi est très, on va dire, est très intéressant, et en plus c'est personnalisé. Exactement, Élise. Alors tu sais qu'ils ont changé en fait de locaux. Maintenant, ils se trouvent en fait du côté donc de la galerie Espace de Paris qui se trouve au centre-ville. D'accord. Voilà, donc il faut savoir que l'accueil se fait en continu. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez vous rendre dans leurs locaux au centre-ville. Et ils sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 16h. Voilà. Voilà, c'est tout pour nous. Oui, c'est tout, Élise. Tu sais quelle est leur devise, juste avant de te quitter? Non, je ne sais pas. Peut-être réussir, la réussite. Ouais, bon, c'est ça. Voilà. Promoteur de talent, Élise. Bon, voilà, les étudiants, réussissez pour revenir. N'oubliez pas de revenir, surtout en Nouvelle-Calédonie, hein, pour bosser chez nous. Merci, Marie-Hélène. Merci à toi, Élise. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique fin bon. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une recette, celle de la tarte aux abricots. Donc on peut la déguster en dessert ou encore au petit déjeuner. La tarte, on peut la faire avec différents fruits, hein, la pomme, la banane ou encore les fraises. Ici, chacun a sa manière de faire. Mais aujourd'hui, NCTV vous propose cette recette, donc la tarte aux abricots.
Aujourd'hui, nous allons préparer une tarte aux abricots et aux amandes. Premièrement, nous allons réaliser la pâte. Pour cela, nous avons besoin de farine, de beurre et de sucre. Je casse mon beurre de manière à bien le mélanger avec la farine. Le mélange farine-beurre est fini, maintenant on peut rajouter le sucre. On finit de travailler la pâte à la main, donc je me lave les mains. On va rajouter une cuillère à soupe d'eau. La pâte est prête, alors on va essayer de faire 18 petites boules pour faire 18 tartelettes. Pour éviter que la pâte elle accroche, on va beurrer les moules. On va étaler la pâte dans les moules avec la main. Il faut que ce soit le plus fin possible. On préchauffe le four à 180 degrés au moins 10 minutes. Piquez la pâte pour pas qu'elle gonfle à la cuisson. On enfourne nos fonds de tarte pendant 15 minutes. On appelle ça la cuisson à blanc. 15 minutes après, les fonds de tarte sont cuits, on peut maintenant les sortir du four. Nous avons nos fonds de tarte, nous allons saupoudrer la poudre d'amande dessus. Pour la crème, on commence par battre les œufs. Ensuite, on rajoute 4 cuillères à soupe de sucre. On remélange. Je rajoute une cuillère à café d'amandes amères. Je rajoute la farine cuillère par cuillère. Et moi, je remue pour qu'il n'y ait pas de crumbles. Là, ça devient difficile à remuer. Les œufs, la farine et le sucre sont bien mélangés. Maintenant, je vais rajouter la crème tout doucement. Et maintenant, je rajoute le miel. Je dispose les abricots sur les tartes. On va répartir la crème dans les tartelettes. Bon ben voilà, maintenant on va enfourner nos tartelettes. On va les laisser cuire pendant 40 minutes. 5 minutes avant la fin de la cuisson, nous sortons les tartes du four. Pour rajouter les amandes effilées. On n'a plus qu'à remettre les tartes au four pendant 5 minutes. Ça y est, nos tartes aux amandes aux abricots sont prêtes. Bon appétit!
Bonjour Camille, donc on prend notre vaisseau et comme d'habitude on replonge dans le passé avec toi aujourd'hui. Bonjour Élise, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vous propose de parler du 24 septembre. Mmh. Tu sais que le 24 septembre, eh bien ça a été un jour d'anniversaire, ça a été aussi un jour de deuil et aujourd'hui eh bien c'est la journée de la citoyenneté. Donc revenons un petit peu sur l'histoire si tu veux bien. Qu'est-ce que tu sais toi ? En tout cas, moi ce que je sais c'est que le 24 septembre 1853, le contre-amiral Février, je ne sais pas si on prononce comme ça d'ailleurs, des pointes prend officiellement donc possession de la Nouvelle-Calédonie. Donc sur l'empereur Napoléon III. Effectivement, Élise, eh bien, donc à cette époque, eh bien, les Français redécouvrent l'outre-mer et surtout reconstituent un empire colonial pour remplacer celui qu'ils ont perdu un siècle plus tôt lors du traité de Paris. Alors, qu'est-ce que le traité de Paris ? Eh bien, le traité de Paris, en fait, il a été signé en 1763. La France met alors fin à la guerre de 7 ans avec l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal. Après ce traité, la France va perdre une partie de ses empires. Mmh. C'est par exemple la Nouvelle-France en Amérique du Nord. La France va aussi céder à l'Angleterre ce qui lui reste de la Louisiane, c'est-à-dire la rive gauche du Mississippi. Il ne va lui rester que des archipels comme Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple ou encore la Martinique. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe justement en Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, le 24 septembre, c'est donc le jour de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. Comme tu l'as dit, au nom de Napoléon III, le contre-amiral va prendre officiellement possession de ce territoire. Ce territoire découvert, je le rappelle, par le célèbre navigateur, explorateur, cartographe James Cook en 1774. Et donc, pour revenir un petit peu sur cette histoire, plus précisément, je vous propose d'écouter une interview d'un historien qui s'appelle Paul Fizin. Il refait un petit peu avec nous l'histoire de cette journée, de ce 24 septembre. Écoutez. La prise de possession du 24 septembre 1853. Alors, d'abord, je vais vous parler du contexte. Le contexte, on est sous Napoléon III, le nouvel empereur des Français, et il cherche une nouvelle terre où il pourrait en faire une colonie pénitentiaire. Alors cette idée-là, elle n'est pas neuve, puisque les Anglais l'ont déjà mise en pratique, on peut dire ça comme ça, en Australie, avec la création d'un bagne à Port Jackson, qui est maintenant connu sous le nom de Sydney. Donc, deux facteurs encouragent la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. Le premier facteur est que, les missionnaires catholiques sont présents, notamment sur le nord de la Grande Terre, et que du moins la Grande Terre ne présente pas d'influence anglaise. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'a lieu la prise de possession du 24 septembre 1853. Cependant, cette prise de possession n'est pas effective. C'est-à-dire qu'elle ne marche pas d'un coup partout pareil. Théoriquement, sur le papier, elle est valable sur toute la Grande Terre et les îles Loyauté, puisqu'il y a le terme « la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ». Mais on aura besoin d'effectuer une seconde prise de possession quelques jours plus tard, notamment au Pays Cougnier, à l'île des Pins, où a lieu un second acte de prise de possession le 28 septembre 1853. Donc, lorsque le bateau français chargé d'effectuer la prise de possession arrive en terre Cougnier, il y a déjà la présence de matelots anglais, de bateaux anglais, puisque les Anglais sont déjà présents dans la zone, notamment avec l'exploitation du Santal. Quelques années plus tard, c'est autour des îles Loyauté qui vont être annexées, où on va faire acte de prise de possession, notamment à Lifou pour Répéné en 1859, où Guilain, le gouverneur de l'époque, va intervenir militairement pour restaurer la souveraineté française sur l'île de Lifou, puisqu'on considérait à cette époque-là que l'île était beaucoup trop sous influence anglaise, notamment avec la présence de commerçants anglais et de missionnaires anglais. Après la prise de possession de Lifou, c'est Marais quelques temps plus tard qui va terminer cette longue période de prise de possession.
Donc on peut dire que du 24 septembre 1853 a lieu la première prise de possession effective de l'île à Balade. Et ces prises de possession vont se poursuivre à l'île des Pins, aux îles Loyauté, puis à Marais jusqu'aux années 1859. Le 24 septembre 1853, dès l'origine, c'était l'anniversaire du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France pour la France. Puis, avec les revendications identitaires kanak, elle est devenue le jour de deuil du peuple kanak. Alors, explique-nous pourquoi c'est un jour de deuil, finalement, pour certains. Eh bien, après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, il y a eu en 1864, eh bien, le bagne. Donc, à cette époque, la France ne sait pas trop quoi faire de cette terre éloignée. Eh bien, à l'image de l'Angleterre, elle va y installer en Calédonie, donc une colonie pénitentiaire. Il va y avoir plus de 22 000 transportés qui vont arriver sur le territoire. Ce sont donc des bagnards, il y a aussi de nombreux prisonniers algériens, mais aussi des colons libres. Mmh. À l'arrivée de toutes ces personnes en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il y a des ingénieurs qui découvrent que l'archipel, eh bien, il y a énormément de gisements de nickel. Donc tous vont travailler dans les mines. Mais voilà, les Kanaks, eux, eh bien, ils vont être déplacés de chez eux pour bien installer eh bien, les colons. Résultat, eh bien, les Kanaks seront cloisonnés dans des réserves, dans des tribus. Et c'est là justement que les Kanaks commencent à se révolter. Exactement, l'histoire est un peu compliquée, mais pour simplifier, on peut dire que c'est comme ça que ça se déroule. Dépossédés de leurs terres, eh bien, repoussés dans la chaîne, les tensions vont petit à petit commencer à monter. On m'a rapporté par exemple que le bétail des colons qui était élevé sans clôture eh bien, détruisait les taraudières, les champs d'igname et les autres espaces qui servaient pour la culture des Mélanésiens. Donc c'était déjà une première source, on va dire, de conflit. Et comment a évolué justement la colonisation exactement? Alors en 1858, les terres colonisées sont d'abord Nouméa jusqu'à Poya. Ensuite, de 1862 à 1870, sous le gouverneur Guillain, eh bien, l'emprise foncière européenne va gagner petit à petit du terrain. On passe de 27 000 à 78 000 hectares. En 1877, eh bien, sous son successeur, le gouverneur Richery, eh bien, lui aussi, on va continuer à gagner du terrain. On va atteindre 150 000 hectares. D'accord. Donc voilà, les Kanaks vont se sentir de plus en plus eh bien, démunis. Et donc c'est ça qui a provoqué la révolte de 1878. Exactement, avec Ataï, qui lui en fait était l'investigateur de l'insurrection des Kanaks. Mmh. Son objectif était d'attaquer Nouméa. Cette révolte, eh bien, elle a un coût très lourd hein, pour les Mélanésiens. De nombreux hommes vont être tués. Il y a quelques chiffres, hein, il y a plus d'un millier de Mélanésiens et plus de 200 Européens qui vont être tués. Donc c'est très considérable pour un territoire qui était encore peu peuplé à l'époque, 24 000 autochtones et 16 000 Européens. Donc ça avait un certain poids. Mmh. Voilà, donc à partir de là, il y a eu aussi énormément de déplacements. L'espace des autochtones eh bien, va être de plus en plus restreint. Mmh. L'administration face aux rebelles vont confisquer eh bien, les terres de ces rebelles. Du coup, eh bien, les clans entiers eh bien, vont être déplacés encore plus loin de leurs terres, donc aussi dans le sud et à l'île des Pins. Voilà comment va partir un peu les événements. Il y aura donc les événements en 1984 jusqu'en 1988, mais il y a aussi les événements de 1974 lors du défilé des soldats à Lansvata le 24 septembre à l'occasion de l'anniversaire de la prise de possession. Et donc a été organisé à partir de là le groupe 1878 où eh bien, on a encore des personnes aujourd'hui qui ont fait partie de ce groupe qui témoignent, notamment des Wegorodé. Je vous propose d'écouter son interview, on revient sur ces événements. Regardez. Alors, le 24 septembre, je vais faire à ce propos un petit retour en arrière, jusqu'en 1974, soit il y a 40 ans, avec l'histoire du groupe 1878 que nous avons créé avec des jeunes de la Grande Terre et que nous avons appelé 1878 en mémoire de la grande insurrection menée par le grand chef Ataï de la foi.
Les objectifs, les deux principaux objectifs du groupe 1878 étaient la reprise de nos terres et l'indépendance kanak. Voilà pour les deux principaux objectifs. Nous devions donc en août 1974 voir ce qu'on pourrait faire comme une sorte d'action d'éclat pour lancer le groupe. Et il se trouve que juste après, il y avait le 24 septembre, date à laquelle habituellement les troupes de l'armée coloniale de l'époque avaient l'habitude de défiler sur le front de mer de Lanzhouata. Et nous, on a décidé donc d'aller manifester contre ce défilé militaire qui pour nous représentait la fête de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie datée du 24 septembre 1853 et contre laquelle on se positionnait pour dire qu'en fait, cette journée-là devait être la journée du deuil du peuple kanak. Alors, nous sommes allés manifester contre le défilé militaire le 24 septembre 1974. Il y a eu des arrestations. Nous, on a été arrêtés avec d'autres donc, pour être emmenés à la police. Et d'autres, comme Henri Bailly et Elie Poigoun, ont été transférés directement en prison. Et pour être jugés le lendemain 25 septembre 1974, en procédure de flagrant délit. Et en une nuit et jusqu'au lendemain, donc avec tous les militants qui étaient avec nous au groupe 1878, avec ceux de l'Union des jeunesses calédoniennes aussi, qui regroupaient des jeunes caldoches, nous avons décidé de faire un sit-in de protestation le lendemain 25 septembre 1974 contre le procès en flagrant délit d'Elie Poigoun et d'Henri Bailly. Oui, nous avons beaucoup, nous sommes battus ainsi que les foulards rouges aussi pour la reconnaissance de notre identité, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, nous continuons à être considérés comme des sous-hommes, quoi. On ne nous reconnaissait pas notre identité, on ne nous reconnaissait pas le fait d'être des hommes et des femmes à part entière au même titre que les Européens. Au départ, c'était surtout le combat d'un groupe de jeunes de la Grande Terre avec les objectifs donc de reprise totale, de retour total des terres et d'indépendance kanak pour ceux de la Grande Terre, mais ils étaient accompagnés des jeunes des îles qui militaient déjà depuis 1969 avec les foulards rouges. C'était en fait notre première manifestation organisée et nous savions qu'il va y avoir de la répression. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y a une loi qui est sortie en France, donc du nom du ministre, qu'il avait sorti, la loi Debré, et qui interdisait à des manifestants de se réunir à plus de 5 dans la rue. Et donc, nous tombions sous le coup de la loi Debré. Donc voilà, pour poursuivre un petit peu, on peut noter aussi que le 24 septembre 1984, eh bien, est né le FLNKS, le Front National de Libération Kanak. Ensuite, un an plus tard, le 24 septembre 1985, est né Radio Jido, donc un outil de lutte du peuple kanak. Voilà quelques dates importantes. Donc petit à petit, eh bien, cette journée s'est transformée en journée de la citoyenneté. Donc qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette journée? Eh bien, je vous propose de réécouter la ministre de la Culture, de la Condition Féminine et de la Citoyenneté. Oui, alors au départ, donc, il y a eu aussi le passage en 1993 à Pointe-du-Wimien, où la fête, à ce moment-là, s'est transformée en fête des peuples autochtones. Parce que il y a donc le combat du peuple kanak, mais aussi il y a le combat des peuples autochtones à travers le monde. Et justement, en 1993, lors du 24 septembre de cette année-là, on a décidé de transformer la journée du deuil kanak en journée des peuples autochtones.
Et c'est bien après encore, donc le 24 septembre 2004, Marie-Noël Thémereau est devenue la présidente de ce gouvernement, que nous avons décidé donc de transformer cette journée en fête de la citoyenneté sur la place du Bois-Carré. Alors pour nous, donc, le 24 septembre, jour de la citoyenneté, c'est par rapport à l'accordat où il nous est demandé, à nous les Kanaks et à nous les Calédoniens, de construire la citoyenneté. Et comme nous, on a en même temps la compétence d'organiser des manifestations au niveau du pays. Et donc, nous avons décidé, dans le secteur de la culture et de la citoyenneté, de faire une grande manifestation ce jour-là, mais en lui donnant le sens qu'a donné l'accord de Nouméa, c'est-à-dire que ce soit la fête de la citoyenneté. En tout cas, pour toutes les manifestations que nous avions faites au Mwaka, les Kanaks sont venus en nombre. C'est eux d'ailleurs qui ont planté le Mwaka. Ils ont accueilli les communautés du pays. Les communautés du pays aussi sont venues avec leurs objets symboliques et traditionnels pour nous dire qu'ils sont d'accord pour construire la citoyenneté avec nous, à partir de leur histoire, de leur culture. Et nous avons dit aussi qu'il y a aussi la reconnaissance mutuelle à avoir. Et on a engagé des actions avec les Vietnamiens, avec les descendants des Arabes et des Kabyles, par exemple, autour de Calédon. C'est-à-dire que pour nous, l'histoire en marche, ce n'est pas qu'une reconnaissance par les mots, c'est aussi une reconnaissance à travers un bout de chemin, ensemble, vers l'avenir, des enfants surtout, en reconnaissant l'histoire des uns et des autres et en partageant ce chemin avec eux. Oui, une année, donc, nous sommes allés là-haut pour dire que... Mais il faut qu'on retourne là-bas, là où notre histoire commune a commencé, là où le capitaine Cook a débarqué en septembre 1774, là où a eu lieu la prise de possession le 24 septembre 1853, et c'est à nous, ensemble, avec les communautés de ce pays, pour pouvoir assumer ensemble notre histoire, il faut qu'on retourne là où elle a commencé. Oui, donc aujourd'hui, nous disons que nous sommes dans la citoyenneté. Nous assumons notre passé, notre histoire commune, mais aujourd'hui, il faut que nous regardions vers l'avenir. Et c'est pour ça que... Nous faisons de cette journée une fête de la citoyenneté, mais en même temps, aller avec les communautés dans leur histoire et même aller jusqu'à chez eux. Hein, c'est ce que nous avons fait avec les Vietnamiens, hein, jusqu'à Hanoï, et qui a permis au retour de certains vieux, hein, Vietnamiens qui étaient partis dans les années 60, et qui sont arrivés pour la première fois pour voir leur famille ici. Et c'est ce qui a fait que nous sommes allés à l'Institut du monde arabe, par exemple, avec les descendants des Kabyles, et que nous sommes allés aussi en 2012 à Alger pour présenter l'exposition Calédon sur demande du gouvernement algérien. Donc c'est cheminer ensemble, c'est tout ça. Voilà, maintenant, ça fait 10 ans qu'on fête cette journée. Cette année, ce sera à Ouvéa. Voilà, donc aussi le mois. Maintenant, nous avons aussi le mois de la citoyenneté. Donc, oui. Ces rassemblements citoyens sont l'occasion donc de proposer des actions citoyennes et culturelles valorisant la construction de la citoyenneté calédonienne. Et Camille, d'ailleurs, on est en plein mois de la citoyenneté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire durant ce mois de la citoyenneté? Eh bien, donc, ça a commencé depuis le 1er septembre jusqu'au 28 septembre. Donc, pour cette dernière semaine, on peut participer encore à plusieurs ateliers, notamment le 24 septembre. Si vous n'êtes pas à Ouvéa, vous pouvez aller à Bouraille, où une journée de rencontres et de partage est prévue autour des pratiques et des savoir-faire culturels de chaque
communauté est bien implantée dans la commune. Donc rendez-vous à la halle des sports à partir de 9h. D'autres dates, par exemple le 26 septembre sur Nouméa, eh bien, on organise un colloque au Centre culturel Tchibaou à 20h sur le thème « Devoirs et droits du citoyen ». Voilà un petit peu quelques exemples. Sinon, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du gouvernement ou encore dans notre rubrique « Agenda » toute la semaine. Voilà. Merci Camille de nous avoir parlé un peu du 24 septembre et sa signification. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est avec cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.